Laënnec Hurbon, qui a travaillé longtemps sur le vaudou, j'aimerais vous poser la question d'emblée de l'importance du culte des Ogouns dans le vaudou haïtien. Parce qu'il me semble que ce culte est un culte Yoruba et que les Yoruba ont un rôle peut-être beaucoup moins important que les Congos ou les Dahoméens. Je crois que Ogou pose énormément de questions concernant son origine. D'abord, il ne provient pas directement des Fons, mais des Yoruba. Et comme vous le savez, comme on le sait depuis longtemps, il y a toujours eu des rapports de rivalité, des rapports guerriers même, entre les tribus Fons et Yoruba. Et au cours de ces guerres, les dieux sont captés, raptés, adoptés. Et c'est ainsi que Dahomey, rapidement, Ogou, qui provient du monde Yoruba, a été adopté comme divinité à laquelle on rend un culte à l'intérieur même du monde Fons. Ce qui explique l'importance de cette divinité, non seulement en Haïti, mais également à Cuba, où on le retrouve, et dans le culte Yoruba, également au Brésil, dans le Candomblé, et peut-être ailleurs aussi, sans doute à Trinidad. Dans tous les cas, on sait que Ogou est une divinité qui a pu traverser les mers, qui a un succès considérable et a été connue, mais en syncrétisme, bien avant le débarquement de Christophe Colomb ici, puisque en 1480, les Portugais ont érigé une église en l'honneur de Saint Jacques. Et probablement, Ogou a pu être déjà identifié à Saint-Jacques, d'après ce que rapportent certains historiens. Mais je pense qu'il ne faut pas le voir seulement du côté de Portugal et de l'Espagne, il faut le voir du côté des côtes africaines, auprès desquelles le Portugal mène déjà une activité d'évangélisation intense, en tout cas d'expansion du catholicisme. Et c'est là que peut-être ils se sont rendus compte que la comolithographie de Saint-Jacques terrassant les morts, Saint-Jacques qui ressemble un petit peu à Saint-Michel-Archange qui terrasse le démon, parce que évidemment tous ceux qui n'étaient pas catholiques, c'est-à-dire les infidèles, sont considérés comme des gens qui vivent encore sous l'empire du diable, eh bien on considérait déjà que Ogou c'était un peu Saint-Jacques, parce que Ogou c'est le dieu du fer, le dieu de la guerre. Il était connu comme cela au Dahomey et au Nigeria. Eh bien, cette osmose a pu être produite rapidement, peut-être même dès la fin du XVe siècle, entre Saint-Jacques et Ogou. Alors, évidemment, on peut comprendre qu'avec la christianisation des esclaves, avec le poids, l'importance qu'acquiert l'Église dans la période esclavagiste, on peut comprendre que ce soit sous les ailes de Saint-Jacques, en quelque sorte, que Ogou ait été amené en Haïti. Et d'où l'importance centrale de Ogou, étant donné justement l'importance déjà qu'acquiert Saint-Jacques dans le système espagnol, puis plus tard dans le système de colonisation française. Il y a une confrontation qui se produit entre le catholicisme et le vaudou autour du personnage, autour de la figure d'Ogou,
et de la figure de Saint Jacques. Mais il faut préciser quand même que l'Église catholique a été plutôt surprise devant l'importance qu'a pris Saint Jacques pour les esclaves déjà et plus tard pour les Haïtiens. Je ne crois pas que l'Église cherchait vraiment, à travers une stratégie bien délibérée, à christianiser un peu Ogou. Je pense plutôt que l'Église pensait terrasser complètement, arriver à une substitution totale des lois, du loi Ogou, dans le culte de Saint-Jacques.